Eh ben salut les potes, c'est Roi d'épée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de notre mode championnat sur F1 2009. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus continué ce gameplay. Et ben aujourd'hui, on se retrouve pour le Grand Prix d'Angleterre. Ça marche. Je vais essayer de ne pas foirer mon départ en milieu de cette course. Dans l'ensemble, il ne peut pas. Et c'est parti, enlève le point de vue. Je sais pas pourquoi ils ont ralenti. Ouf. Allez, par l'extérieur. Il a pris un bon temps dans l'ensemble. Les commissaires de course n'apprécient pas ton comportement. Ils ont sorti le drapeau noir et blanc pour toi. Putain, il a essayé de destroyer ma voiture. Ça va, elle n'est pas trop cassée. Il est loin quand même. Ah, purée, ils vont arrêter d'aller à 10 km/h. Pour le moment on est 13ème, ça veut dire 7 places de gagner dans le premier tour. Mais je commence à en avoir assez de ces voitures qui roulent à 10 km/h dans les lignes droites. Être prudent c'est bien, mais être trop lent c'est pas bien. Je peux faire toujours le virage. Mais ça, je te déteste. Ça va pas être de la tête tout à l'heure, cette course. Allez, à l'intérieur. Non. Je le fais comme un salon. Allez, c'est bon. Pourquoi il ralentit? Il n'y a pas de safety car pourtant. Rosberg est le plus rapide en piste. Et Raikkonen. Non, il a pas fait avec un gros port. Ça va. Oula, il y a beaucoup ici. Allez, par l'extérieur. Ça c'était beau. Bonne nuit. Maintenant, ouh là, c'est décalé au moment du freinage, ça c'est pas bien. Maintenant, le prochain c'est bloc. Bon ben, je peux vite rattraper le premier si ça continue comme ça. Ça va, il s'est bien écarté. Giancarlo Fisichella n'est plus en course. Ah, il a pété son moteur. Allez, Hamilton. Purée, il a beaucoup de vis à la fin de ce virage. Allez, on est 6ème, après 3 tours. Il vient de réussir le meilleur temps autour. Il occupe la 6ème position. J'espère que je ne vais pas casser mon moteur non plus.
ça n'est jamais arrivé cette saison, alors il n'y a pas de raison que ça arrive ici. Les buttons. Allez, Barrichello. Ah, Robert, il est sorti large. Bah, on va aussi. Barrichello est repassé devant. Barrichello est devant. Ils n'arrêtent pas de se tamponner entre eux. C'est génial, ça. J'apprécie. Ouf. Je vais passer sous cet enfant. Et surtout, il faut que j'aille vite en piste parce que la plupart des concurrents ne font qu'un seul ravitaillement. Moi, j'en fais deux. Mauvaise. Allez, virage. Je conduis comme une merde. C'est le moment de la rattraper. Si on a au moins un qui fait un peu ce temps, on serait bien de pouvoir le doubler juste après. Il ne devrait pas y avoir de glitch lors des arrêts au stand, alors. Alors voyons qui s'arrête au stand. Réponse. Button. Je vais dépasser le nombre de reports. Tu vas plus vite que Glock. What the fuck? Ton réservoir est presque à sec. Je m'en fous puisque je suis autant. Il m'est tamponné comme un gros port et tu vas descendre. Tu vas repartir en arrière temps. Ah, et une McLaren juste derrière, une Sauber aussi. Oh purée, il y a tout le matos qui arrive. Relâche-moi! Purée, mais... Il s'est arrêté pendant 3 skips. Et Hamilton, il était 3 km derrière, maintenant il est devant moi. Enfin, à 3 km en arrivant au stand. Assez de vitesse, je les croise. Non, ça va, je suis pas sorti dans ce virage. Ah, ici, je me débrouille. Non. Massa comble son retard. Je m'en fiche. Voilà, c'est fait. Mais je peux vous rentrer au stand pour que le monde me rentre au stand. Tu combles l'écart avec Piquet. Ah, Button a l'air d'être gêné par une autre voiture. Il me semble que c'est Barrichello. Je souffre.
Et comme j'étais ex-aequo avec VT au championnat, ça risque d'être signé après. Vous remarquerez que ça, c'est l'ancienne version du circuit de Silverstone. Aujourd'hui, ils ont changé quelques virages et l'emplacement de la ligne d'arrivée aussi. Bon, les deux voitures blanches juste devant moi, Button et Barrichello, je crois qu'ils font deux arrêts. C'est avec eux qu'on bosse dedans. C'est fait. Ah, je déteste ce virage. Je me demande ce qui peut m'arriver au prochain tour. Ah là. Avec une bonne sortie de virage. Perdu. Button est devant toi. Button est ralenti. Ça m'a rangé. Voilà, Button, c'est fait. Je n'ai pas besoin de rentrer au stand, mais pourquoi il affiche en ce prix? Allez, Barrichello. Et actuellement en 6ème position. Ah bah, Vettel vient de ressortir les stands, ça veut dire que j'ai deux tours avant mon prochain arrêt, donc je vais devoir aller vite. Je suis premier, ça me va. Et attention, hein, c'est des pneus Bridgestone en 2009. Aujourd'hui, on a des pneus Pirelli. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a marqué Bridgestone partout. Mais je n'ai pas besoin de rentrer au stand. Par contre, mes pneus commencent à être abîmés. Tu es premier. Je répète, tu es premier. Encore 6 tours. Ben, c'est à ce tour que je dois rentrer au stand. Il ne me l'a pas dit. Ah bah voilà. Arrêt au stand ce tour-ci. Même avec des pneus, je tiens encore la route. Voilà. J'avais bien besoin de rentrer. J'ai 2 secondes d'avance, bon ben je ressortirai pas en tête. À part si je faisais pas l'essence. Il n'a plus beaucoup de carburant. Bon voilà, Vettel et Ipa, c'est une façon de passage. Allez, vite, 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 vite. Ah, ça fait un adversaire de moins, c'est bien ça. Il a cassé son moteur juste en me passant devant. Est-ce que je peux repartir devant Button? La réponse,
Oui. Allez, j'ai 5 tours à faire. Oula. Il y a 20 secondes de retard à rattraper. Normalement, le moteur est fiable, il n'a pas cassé d'une seule des 7 premières courses. Si je pouvais finir tous les grands prix avec le même moteur, ça serait bien. Au moins, j'aurais pas de place de pénalité. Encore, on passe sous le tunnel. De devant, il y a mon coéquipier. Et il y a la voiture de Barrichello au ralenti qui est en train de gêner tout le peloton. Ouais. Ouf! Ils étaient à 2 km/h à l'entrée des stands. Normalement, il y a d'autres voitures qui doivent s'arrêter au stand. Vraiment, qu'il y a eu un gros troll. À moins que ce soit maintenant que je dois attaquer. Parce que celui devant c'est le Vine, je crois qu'il est à 5 secondes. Il tourne plus vite que Povalainen. On peut utiliser le boost. Pour l'instant, mes pneus sont à la température optimale. Ça veut dire que je peux les rattraper. Ils sont loin devant. 3 secondes. On va au tour suivant. Allez, 3 tours. J'ai établi mon meilleur tour en course. 1:17.282. C'est des courses de 25%, je le rappelle. Seconde 6, je me rapproche. Il y a une autre voiture devant, je sais pas qui c'est. Bottom est à 12 secondes derrière, donc pas de soucis. Les points sont très précieux. Plus que 2 tours. Le dixième. Plus vite que Povalainen. Povalainen est devant. Oh my god, comment il va lentement. Allez, par l'extérieur. Ah, celui qui est devant, c'est Bouigny dans la tour Rousseau. Un super solide. 3 secondes de retard. Si on avait un qui devait casser son moteur maintenant, je le foutrais.
je devrais me contenter de la 6ème place. Tu es en 7ème position. Allez, plus un tour. Dernier tour. Wemi est devant. Ouf. Bon bah il y a 5 secondes, donc je pourrais pas le rattraper. Dommage, dommage. À part si quelqu'un se prend une pénalité. Bon, dans la 4 secondes 3, je pense que s'il y avait eu un seul tour de plus, je l'aurais grillé. Donc, ça va être pour nous la 6ème place dans ce Grand Prix d'Angleterre. Au moins, je fais mon mieux. Et ces 3 points seront très précieux. Terminé 6ème. 22 secondes par rapport au vainqueur. Oh putain, c'est vite. Bon ben, j'ai perdu un max de points. Bon, on fera mieux à la prochaine course. Bon ben, Piqué, il est très loin. Hein. 3 points au championnat. Au moins, je pourrais profiter de la moindre erreur de Vettel dans la prochaine course. J'abandonne pas, moi. Et Renault est toujours troisième. Avant elle était deuxième, mais maintenant elle est troisième. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus.